Salut, hola. Bienvenido a este nuevo curso de pronunciación de francés fácil. Soy Michel y hoy vamos a hablar de un personaje de caricatura muy popular en Francia que se llama Achille Talon. Achille Talon est un héros de bande dessinée unique. Il connaît toute l'encyclopédie de A à Z, mais a pourtant un gros talon d'Achille. Il oublie souvent le plus essentiel dans sa vie quotidienne. Achille Talon est un héros de bande dessinée unique. Il connaît toute l'encyclopédie de A à Z, mais a pourtant un gros talon d'Achille. Il oublie souvent le plus essentiel dans sa vie quotidienne. Achille Talon est un, a qui hacemos la liaison, est un héros, a qui no se hace, porque está la H muda, est un héros de bande dessinée, dessinée es femenino, entonces sube, dessinée unique. Achille Talon est un héros de bande dessinée unique. Il connaît, aquí hay una doble N, entonces se pronuncia connaît, en dos partes. Il connaît toute, aquí suena la T porque hay una E muda, toute, es al femenino, toda, toute. Il connaît toute l'encyclopédie, es clopédie, como aquí arriba era dessinée, l'encyclopédie de A à Z. Mais a pourtant un gros talon d'Achille. Il oublie souvent le plus essentiel. Aquí hacemos la liaison. Plus essentiel. Y tenemos doble S. Vamos a cortar entre las dos S. Essentiel. Essentiel. Il oublie souvent le plus essentiel dans sa vie quotidienne. Achille Talon est un héros de bande dessinée unique. Il connaît toute l'encyclopédie de A à Z, mais a pourtant un gros talon d'Achille. Il oublie souvent le plus essentiel dans sa vie quotidienne. C'est quelqu'un de très attachant par sa simplicité et sa naïveté. C'est quelqu'un de très attachant par sa simplicité et sa naïveté. C'est quelqu'un de très attachant. Hacemos la liaison. Za, attachant. Y tenemos doble T. Así que cortamos aquí, entre las dos T. Eso hace attachant. Très attachant. Très attachant. C'est quelqu'un de très attachant par sa simplicité. Simplicité et sa naïveté. Aquí el sonido E, la A y la I no se pronuncia así porque la I tiene dos puntos. Esto significa que leemos A, I y no E. Naïve, la V, naïveté. La E que está después de la V no suena. Naïveté. C'est quelqu'un de très attachant par sa simplicité et sa naïveté. Toujours enthousiaste pour se lancer dans des projets loufoques, prêt à faire n'importe quoi pour embêter son voisin le funeste ou faire plaisir à sa maman, on a grand plaisir à suivre ses nouvelles idées. Toujours enthousiaste. La T suena solita. Ziaste. Toujours enthousiaste pour se lancer dans des projets. Loufoque. Prêt à faire n'importe quoi pour embêter son voisin. Voisin. Non, voisin. Non, voisin des B. Non, la V. Voisin. Zin. Porque la S está entre las dos vocales I. Entonces es una Z. Voisin. Le funeste. Ou faire plaisir
plaisir, non plaisir. Plaisir, plaisir. À sa maman. On a grand plaisir à suivre, suivre, à suivre ses nouvelles idées. Ses nouvelles idées. À qui c'est la liaison. Idées. Ses nouvelles idées. En traverse. Toujours enthousiaste pour se lancer dans des projets loufoques, prêt à faire n'importe quoi pour embêter son voisin le funeste ou faire plaisir à sa maman, on a grand plaisir à suivre ses nouvelles idées. Et quand il a un moment pour se reposer, c'est assis sur son fauteuil devant un bon feu qu'il vient nous parler de ses problèmes. Et quand il a, est-ce que quand termina con de, pero la liaison se escucha con una t. Et quand il a, et non, et quand il a, non. Et quand il a, un moment, pour se reposer, le verbe, primer grupo, termina en er, reposer, non reposer. Se reposer, aquí vamos a hacer también la liaison, s'est assis sur son fauteuil, devant un bon feu, non feu, sinon feu, un bon feu qu'il vient nous parler, de ses problèmes, Et quand il a un moment pour se reposer, s'est assis sur son fauteuil devant un bon feu qu'il vient nous parler de ses problèmes. Il travaille de façon irrégulière. Au journal Polit en tant que héros et n'a jamais de problème d'argent quand il s'agit de faire des emplettes chez Vincent Pourcent. Entonces, esta frase se lee de la manera siguiente. Il travaille de façon, aquí la C con la C di, el ganchito aquí debajo de la C te indica que se pronuncia como una S. Façon, non facon, façon. Il travaille de façon irrégulière. Como siempre, tenemos doble R, cortamos entre las dos R's. Y tenemos ir y después régulière. Irrégulière. Il travaille de façon irrégulière. Au journal Polit. Suena la T porque tenemos una I muda detrás. Polit. En tant que héros. Et n'a jamais de problème d'argent. Quand il s'agit, eso otra vez aquí tengo quand, la liaison, c'est assez con una T. Quand il s'agit de faire des emplettes. Hacemos la liaison. Des emplettes. Chez Vincent Pourcent. Il travaille de façon irrégulière au journal Polit en tant que héros et n'a jamais de problème d'argent quand il s'agit de faire des emplettes chez Vincent Pourcent. Le reste du temps, c'est un Tanguy avant l'heure, puisqu'il habite toujours chez ses parents et délaisse les tâches ménagères pour le jardinage intensif. Le reste, parce que la T suena sola. Le reste du temps, c'est un Tanguy avant l'heure, puisqu'il habite toujours chez ses parents et délaisse les tâches ménagères pour le jardinage intensif. Le jardinage intensif. Côté cœur, il désire ardemment la belle virgule avec laquelle il est cependant trop timide. Côté cœur, il désire, ça qu'il a essayé, está entre dos vocales, entonces es désir, no decir. Désir. Côté cœur, il désire ardemment. Aquí notas que se pronuncia ardemment, pero se escribe ardemment.
ardemment, la belle, virgule. Il désire ardemment la belle virgule. Avec laquelle il est cependant, cependant, trop timide, timide. Côté cœur, il désire ardemment la belle virgule avec laquelle il est cependant trop timide. En société, enfin, il ne rêve que d'une chose, s'élever en se liant d'amitié avec les grands de ce monde. En société, enfin, enfin, il ne rêve, 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 il ne rêve que d'une chose. No chose. Es una S que está entre dos vocales, entonces se pronuncia chose. En société, enfin, il ne rêve que d'une chose, s'élever, s'élever en se liant d'amitié. S'élever en se liant d'amitié avec les grands de ce monde. En société, enfin, il ne rêve que d'une chose, s'élever en se liant d'amitié avec les grands de ce monde. Il se retrouve pourtant toujours aux côtés de Le Funeste, qui est plutôt de l'autre côté de l'échelle sociale. Il se retrouve, retrouve. Il se retrouve pourtant, pourtant. Il se retrouve pourtant. Il se retrouve pourtant. Toujours aux côtés de Le Funeste. Il se retrouve pourtant toujours aux côtés de Le Funeste, qui est plutôt de l'autre côté, de l'autre côté de l'échelle, l'échelle sociale. Il se retrouve pourtant toujours aux côtés de Le Funeste, qui est plutôt de l'autre côté de l'échelle sociale. Et voilà, c'est fini. Espero que te gustó y mejoraste tu pronunciación del francés. Practica esta lectura hasta que te salga bien y de forma fluida. Cuéntame en los comentarios cómo te fue y no olvides poner un like si te gustó el video. ¡A bientôt! ¡Salud!